Bien voilà, si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu as vu que j'allais faire un vélo triporteur. On va le faire ensemble, pas à pas. Et honnêtement, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'ai pas vraiment de plan préétabli. On va essayer de construire quelque chose déjà qui roule, qui soit fonctionnel et qui puisse transporter des livres puisque ce sera une bibliothèque roulante. Et j'en profiterai également pour essayer de vous partager mes galères, les difficultés, les réussites bien sûr. Et puis si vous avez déjà réalisé quelque chose du genre, je vous invite en commentaire à marquer quelques petites astuces pour m'aider. Allez, c'est parti! Ça commence bien, j'ai déjà un écart au niveau du cintrage, je sais pas où j'ai couillé dans ma mesure ou si c'est au niveau de la cintreuse que j'ai mal placé la barre, mais j'ai un grand écart de 1,5 cm. Bon je vais recouper ça et on va essayer d'avoir un cadre qui soit nickel. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a man, a septic. Eh bien voilà, la plus grosse partie
de la benne avant a été soudée, j'ai pas eu de réel problème pour la conception. Le plus dur, ça a été pour les mesures surtout, vu que les angles sont arrondis, il faut que je mette des cales pour prendre mes mesures. Hormis ça, ça se passe plutôt bien pour le moment. Maintenant, je vais passer aux roues. J'utilise des roues de 20 pouces, donc je les achète pas neuves. Je vais restaurer des vieilles jantes comme ça de 20 pouces. Là ici, j'ai une jante avant, une arrière, donc il va falloir que je vire ce moyeu vu que l'espacement n'est pas le même. Que je mette des beaux rayons tout neufs, je vais repolir tout ça et après je vais pouvoir voir les hauteurs, les angles pour attacher le tout. Bon on se lance. Super content, une bonne étape de terminer. Les jantes sont ok, elles tournent droit. Je les ai dévoilées en les positionnant dans une fourche comme ça, ce qui m'a permis de la faire tourner et de jouer sur la tension des rayons pour la dévoiler. Et maintenant qu'elles sont montées, je les ai ici. Donc j'ai pas encore mis les pneus, j'ai nettoyé les pneus histoire de rénover un petit peu le vieux caoutchouc des côtés puisque c'est des flancs blancs. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est la direction et surtout comment l'assembler à la partie arrière qui est ici. Et pour la direction, je vais aller piquer toute la colonne de direction de la partie avant de ce vélo que j'ai découpé. Donc maintenant, à cette étape, en toute honnêteté, je suis un petit peu largué parce que j'ai aucune idée des angles, des écarts entre la partie avant, arrière, etc. Donc, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais me prendre la nuit de réflexion. Je vais cogiter là-dessus. Et demain, c'est reparti et tout de suite pour vous.